Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 12e dimanche du temps ordinaire de l'année B et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse Notre-Dame des Apôtres pour notre méditation dominicale. Frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche nous montre un Dieu qui s'engage aux côtés des hommes, un Dieu qui apaise les tempêtes et calme les vents contraires. Ce passage de la tempête apaisée nous est bien connu et il commence par une invitation de Jésus à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Pendant la traversée, alors qu'ils sont au milieu du lac, une violente tempête survient. La barque est malmenée par les vagues, elle prend de l'eau et les disciples ont conscience qu'ils risquent de couler. Ils sont gagnés par la peur et la traversée devient vite un drame parce que non seulement ils voient que la tempête se déchaîne, mais en plus ils constatent qu'ils sont seuls face à cette situation parce que celui à qui ils pourraient s'adresser en cas de danger, celui à qui ils font confiance en toutes circonstances, Jésus dort. Dans son sommeil, Jésus ne semble pas concerné par la situation de ses amis. Les paroles des disciples sont un cri de détresse. Nous sommes perdus. Ils sont angoissés. Mais le Maître dort. Et son sommeil est pris pour de l'indifférence. Éclate alors ce reproche. Cela ne te fait rien. Voilà la barque des apôtres, la barque de notre vie, frères et sœurs. Elle est au milieu des tempêtes de ce monde, au milieu des vents contraires. Et bien souvent, elle prend de l'eau. Et comme les disciples, nous avons l'impression que Jésus dort. Frères et sœurs, nous avons déjà tous fait l'expérience de ce Dieu qui dort au milieu de nos tempêtes, précisément au moment où nous avons le plus besoin de lui. Cette tempête, frères et sœurs, c'est l'image de nos sécheresses, l'image de nos déserts et de nos doutes, l'image de nos peurs. Les apôtres qui sont dans la barque et qui pensent que tout est perdu, c'est chacun de nous. Lorsque nous nous agitons, lorsque nous courons dans tous les sens, lorsque nous perdons la paix et le sommeil devant les situations désastreuses et douloureuses de nos familles, de nos vies personnelles. Aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur reproche à ses disciples leur manque de foi. Comment cela se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Oui, frères et sœurs, ce reproche s'adresse à chacun de nous ce matin. Comment cela se fait-il
que vous n'ayez pas la foi, que tu n'aies pas la foi, que tu ne comptes pas sur moi. » Frères et sœurs, comme les disciples, il nous arrive d'avoir l'impression que la barque de notre vie prend de l'eau, qu'elle va couler. Et malheureusement, dans nos doutes, nous avons l'impression que Jésus dort. Et dans la crainte, dans toutes ces situations de détresse, nous ne réalisons pas toujours que nous n'avons rien à craindre, car le Seigneur est avec nous. Nous ne réalisons pas toujours que nous ne pouvons pas couler, parce qu'il est avec nous, embarqué dans cette barque. Frères et sœurs, l'Esprit Saint que nous avons reçu le jour de notre baptême ne nous rend pas capables de douter de Dieu. Au contraire, l'Esprit Saint nous rend capables de comprendre que le Seigneur est vraiment avec nous sur les chemins de la vie. Il chemine avec nous. Il partage nos peurs. Il partage nos doutes. Il partage nos rêves. Quelle que soit la tempête qui malmène notre vie, la maladie, le chômage, les divisions dans nos familles, des questions sans réponse, des persécutions, la mort d'un être cher, tout ce qui peut arriver dans une existence humaine, frères et sœurs, le Seigneur est avec nous. Il se rend solidaire de notre histoire. Il se rend solidaire de nos peurs pour nous rappeler qu'il est présent et agissant. L'impression de perdre ses repères, de tourner en rond, de couler sous les assauts répétés d'événements qui se déchaînent jusqu'à nous engloutir. Frères et sœurs, Jésus-Christ est vivant. Il est le Seigneur de l'univers. Même le vent et la mer lui obéissent. Si nous lui faisons confiance, il apaisera toutes nos tempêtes. Frères et sœurs, à nos tourments, le Seigneur dit ce matin, « Silence, tais-toi !» Le Seigneur impose ainsi le silence. Il réduit au silence les épreuves qui agitent nos vies, qui agitent nos cœurs. Frères et sœurs, ce matin, chacun de nous peut donc interroger sa vie. De quoi ai-je peur ? Quels sont les événements de ma vie qui me font douter du pouvoir infiniment grand, de l'amour que le Seigneur a pour moi? Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi, nous dit le Seigneur? Nous devons l'entendre ce matin, dans la réalité de notre quotidien. Frères et sœurs, le Seigneur ne nous dit pas que la tempête est insignifiante. Le Seigneur ne nous dit pas que nous nous inquiétons pour rien. Non, il nous renvoie plutôt à la foi que nous avons en lui. Pourquoi avoir peur? Si je suis avec vous, si je partage ta vie, pourquoi avoir peur? Car avoir la foi, frères et sœurs, ce n'est pas dire « je crois quand tout va bien », mais plutôt « je crois et je te fais confiance, Seigneur, surtout quand tout va mal. » Frères et sœurs, au cœur de nos tempêtes, rappelons-nous que le Seigneur est présent, qu'il est compatissant, qu'il est agissant. Jamais il ne nous abandonne. La confiance en Dieu, frères et sœurs, est le seul moyen pour traverser les tempêtes de la vie. Ouvrons nos vies, ouvrons notre histoire, ouvrons nos familles et notre communauté paroissiale à cette confiance en Dieu. Car nous le savons, et les Écritures nous le rappellent, rien n'est impossible à Dieu. À nos tempêtes, à nos tourments, il dit ce matin, « Silence, tais-toi !» Loué soit Jésus-Christ, à jamais.